fait ça pour défendre le statut du policier aujourd'hui, puisqu'on voit que le gouvernement s'attaque aux statuts spéciaux et aux régimes spéciaux, notamment celui des cheminots. Alors on a beau nous dire qu'on ne touchera pas au statut des policiers, mais on nous parle de recrutement sous contrat de 10 ans, on nous parle aussi de faire un seul régime de retraite, alors que nous on a des bonifications, donc on s'inquiète. On voit bien que le gouvernement tire sur les fonctionnaires en remettant le jour de carence, en gelant le point d'indice, en reportant les mesures catégorielles qui étaient prévues pour cette année. Donc c'est un premier avertissement, on fait ça à une heure où ça ne bouge pas trop sur Toulouse, on laissera une voie de circulation libre, mais premier avertissement, il y en aura d'autres, hein. On peut aussi bloquer les frontières, on peut faire plein de choses si on veut vraiment se radicaliser. Donc on ne se laissera pas faire et on ne veut pas qu'on touche à nos acquis sociaux.